Bonjour tout le monde, c'est Greg de Thorgrim Archery, Thorgrim Chasse. Content de vous retrouver une nouvelle fois. Hier, je vous ai présenté mon Win-Win Black Wolf. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier arc et mon plus vieil arc que j'affectionne particulièrement parce que je suis assez précis avec, comme vous allez pouvoir le voir sur les vidéos. Vous verrez aussi que j'ai quasiment aucune nuance entre mes points de flèche et mes points de field. L'arc est très bien réglé. Enfin, après, moi, je peux faire des petits écarts, hein, ça arrive. Donc voilà, je m'entraîne avec ce type de flèche en lame. Donc elle est émoussée, hein, plus rien, mais il suffirait de la réaiguiser un petit peu. Mes flèches sont des Beeman Center Shot carbone en spin de 400. Elles font 9,6 g. Elles ont un insert laiton de 75 grains et la pointe fait 125 grains en coche classique. Hein. Sachant que c'est exactement ma configuration de chasse. Sauf que les lames que j'utilise sont des Kudu Point. Je vous en ai parlé hier, mais je ne vous ai pas montré. Je vais vous montrer les petites bêtes. Voilà, ça ressemble à ça. C'est impressionnant d'efficacité. Et c'est très enfin, c'est génial quoi. Hop, toc. Voilà. Donc, la flèche fait 36 grammes. Ouais, quelques. Je sais plus combien, mais elles font donc c'est des flèches qui sont assez lourdes mais qui vont très bien pour ma configuration de tir. Donc voilà, en point de field, hein, c'est ce que j'ai tiré précédemment. Voilà, pareil, même configuration. Donc l'arc, c'est un Bear Grizzly, c'est un recurve monobloc. Le manche est en bois, donc c'est du diamond wood, alors je ne me rappelle plus ce que c'est comme bois exactement. Les branches sont en érable, recouvertes de fibres de verre à haute résistance, qui fait que ça lui donne à la fois une rigidité et une souplesse qui sont très agréables. Dessus, j'ai mis mes dumpers Limsaver, hein, j'en suis très fan. Ça a vraiment amorti bien. Au niveau de la jointure de cordage, j'ai mis du scotch de décoration de camouflage, qui est vachement bien. Ça amortit bien le clac de la corde. Dessus, j'ai des petites vous voyez, des petites poupées. Hop, en peluche. Je me suis mis une bande de cuir parce que je trouvais la poignée pas assez confortable à mon goût. Donc je l'ai épaissi un peu avec une petite poignée de cuir qui me donne une préhension qui est géniale. Puis en plus le cuir, ça bouge pas si le manche est mouillé ou quoi que ce soit. Et c'est pas froid en hiver. Voilà. Parce que ça reste vivant malgré tout. Donc voilà, ça m'a pris un petit peu de temps de la faire, mais au rendu final c'est pas mal. Et dessus, donc j'ai, pour camoufler, pour pas que ça soit noir et brillant, vous voyez, j'ai mis du scotch de chasse qui est extrêmement résistant parce que ça fait 3 ans que c'est dessus. Bon, là je constate que ça commence à se barrer un petit peu, c'est l'occasion de ou jamais de voir. Mais bon, je vais remettre soit un petit point de colle, soit je vais remettre carrément une bande pour que ça soit bien propre. Mais bien découpé, c'est absolument génial. Ça bouge pas du tout, ça fait un peu de filasse, mais bon, c'est pas gênant. J'ai une petite poupée de cuir pour le reposer comme il faut, tranquillement. J'ai juste un oxet qui va bien. Donc mon banc est à peu près 7-9 parce que on peut aller sur cet arc d'un banc de 7,5 à 8,5. Il a une longueur de 58 pouces qui fait l'équivalent de 1,47 m. Donc pour les chasseurs, c'est très bien. Bon, un carquois classique 4 flèches, hein, qui va bien.
qui tient très bien mes flèches. J'en suis très content. Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus dessus? Voilà, la corde, c'est des cordes flamandes en dacron. Bon, il y a possibilité de les faire faire en 16 brins, ce qui est le cas pour celle-ci. Et ça va, ça donne une jolie décoche et c'est très régulier. Donc j'en suis très content. Voilà, ben vous allez voir la petite démonstration. Comme je vous l'ai dit, je tire. Donc la première flèche est une pointe chasse, suivie de deux pointes field pour voir la différence. Alors s'il y a des écarts, c'est de ma faute. Parce que j'ai tiré beaucoup de flèches aujourd'hui avant de me décider à faire la vidéo. Et puis du coup, je l'ai fait. Je commençais à fatiguer un peu au niveau de l'épaule et des bras. Donc il y a peut-être il y a un écart sur une flèche ou deux, voilà, sur la vidéo. Mais bon, ça reste dans le fameux cercle vital. Et je m'octroie pas d'écart au-delà de ce cercle. Donc ça fait l'équivalent de allez, maxi 10 cm de diamètre, quoi, ce qui est déjà beau. Voilà. C'est un arc qui est vendu aux alentours des 430-450 €, ça dépend des archeries. Il est équipé, ah oui, je voulais oublier de vous le dire, il est livré d'office avec le tapis et la petite bande de caoutchouc qui fait qu'on n'a pas de souci à racheter en plus ça. Voilà. Il est réglé à mon allonge, à 28 d'allonge, et c'est un 50 livres. Très bien, ça va très très bien. Bon, pour la chasse, c'est largement suffisant. J'ai déjà prélevé chevreuil et sanglier avec. J'ai eu pas des grandes distances de fuite. C'est de l'ordre du 15, 20, 30 mètres maximum, quoi. Voilà. Bon, il faut les bons poids, les bonnes flèches, les bonnes lames. Comme tout, hein, c'est comme un fusil, il faut une bonne balle pour que ça marche bien. Et puis beaucoup d'entraînement, énormément d'entraînement. Je m'entraîne quasiment tous les jours. Voilà. Du coup, j'arrive à avoir une certaine précision. Mais il n'y a pas de secret. Hein. C'est faut en manger. Et puis après, on peut aller à la chasse en étant confiant. Voilà, merci pour votre patience et votre gentillesse. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous mets deux petites photos de présentation de l'arc derrière, comme j'ai fait hier pour le win-win. Ok, allez, ciao, au plaisir, à bientôt. Ah, je reviens aussi, j'ai oublié de vous dire, ma prochaine vidéo sera sur la présentation des décocheurs. Je vais vous présenter trois modèles différents de décocheurs pour arc à poulie. Et puis après, je vous présenterai mon arc à poulie. Donc un Bowtech Rain 6. Voilà. Et ben, je vous dis à plus tard. Allez, ciao.